Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Tant merveilleux qui nous vient des cieux. Chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers.
Merci, mon Sauveur béni. Gloire te soit rendue, parce que tu es vraiment ce Dieu merveilleux que nous aimons, mon Sauveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore aujourd'hui et pour toujours, mon Seigneur, parce que tu es digne de cela, mon Père Saint-Dieu, et que cela te revient de plein droit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le seul qui doit être glorifié, c'est toi. Le seul qui doit être aimé, c'est toi, mon Sauveur. Le seul qui doit être honoré, c'est toi. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ces instants. Merci encore pour ce moment, bénémoine Père Saint-Dieu, où tu as conduit effectivement mon Papa Tibissant dans ta maison pour que nous soyons ensemble élevant nos voix vers toi. Comme nous l'avons chanté, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, Père, nous sommes frères et sœurs. Nous te disons merci encore d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La grâce et la joie nous accompagnent encore davantage, mon roi, parce que c'est toi qui as fait de nous ainsi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Toute la gloire te revient, l'honneur aussi te revient, Père Tibissant Dieu. La puissance t'environne, mon bien-aimé, Père Tibissant. Tu es glorieux et majestueux, mon bien-aimé, Père Tibissant. Béni soit ton Saint-Nom. Et encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Tibissant Dieu, par la bouche des enfants, ceux qui sont à la même main, Père Tibissant, tu as tiré ta gloire, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous te disons gloire et honneur à toi encore ce soir, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Quand nous pouvons contempler l'espace, mon bien-aimé, Père Tibissant, voir les étoiles et la lune qui tu as crié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voyons ta puissance se manifester encore au-delà même de ce que l'homme peut voir, mon bien-aimé Père Tibissant, de l'espace, mon bien-aimé Père Tibissant, aux confins, Père Tibissant, oh Dieu, les étoiles, mon bien-aimé Père Tibissant, ta puissance et ta gloire se manifestent, Père Tibissant. Louange et honneur à toi, toi qui es le Dieu très haut, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point. Oh, tu appelles tout par leur nom, mon bien-aimé Père Tibissant. Tout obéit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tout est respect, mon bien-aimé Père Tibissant. Tout qui en ton nom, Dieu, les étoiles, les espoirs, Père Tibissant, oh Dieu, les planètes, Père Tibissant, oh Dieu, le cosmos tout entier, mon Père Tibissant, la création tout entière, oh, crée ton
ton nom, mon béni, mon Père puissant. Réalise combien tu es tellement le souverain, c'est toi. Merci encore, Père puissant, pour ton autorité divine, Seigneur. Oh, dans les cieux, sur la terre, dans sur l'homme, mon béni, mon Père puissant. Tu es le seul qui domine, mon béni, mon Père sans Dieu. Le seul qui donne aussi la vie, mon béni, mon Père puissant. Le seul qui ramène aussi, Père puissant, Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde, Père puissant, tu appelleras chacun par son nom, mon béni, mon Père. Nous te disons merci. Merci encore pour tout, pour les chants et les cantiques inspirés, Seigneur béni, Père puissant, pour les enfants qui t'ont chanté, pour ton peuple à toi qui se réjouit encore à ta présence, mon béni, Père Saint Dieu. Nos vies sont pour toi, mon béni, Père Saint Dieu. Nos jours sont pour toi, mon béni, Père Saint Dieu. Notre aujourd'hui aussi est pour toi, nos lendemains aussi, béni, Père puissant, jusqu'à ce que tu viennes, mon roi, nous te supplions, Père. Bénis ton peuple, béni, Père Saint Dieu, qui est rassemblé en ces lieux. Et ceux-là aussi qui sont en connexion dans différents endroits, que ta bénédiction, ta grâce et ton soutien, ton secours, leur soit aussi accordé, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci encore pour ton pardon, mon roi. Louange et honneur à toi. Béni sois-tu encore pour ce que tu fais, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon sauveur et ceux que tu nous as donnés aussi, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Merci pour les psaumes. Merci pour les chants et les cantiques. Merci aussi pour l'adoration. Tu es vivant, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. Nous venons à toi. Oui, oui, Maître. Oui, Seigneur, béni. Nous avons besoin de toi. Et encore, aujourd'hui, demain et après-demain encore. Merci, merci, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur, de ta présence, ton soutien, celle ta voix suffit, mon Seigneur. Tu nous suffis, mon béni, mon Père. Sois béni encore, mon roi, et annonce tes merveilles, mon béni, mon Père, puissant Dieu, et notre corps reprendra encore des vigueurs et la vie. Bénis tous nos précieux frères et sœurs qui sont vraiment en connexion dans tout le pays où ils se trouvent, Seigneur, dans chaque endroit, dans chaque lieu, que ta présence à toi puisse encore se manifester, Seigneur, que ta délivrance et ta guérison leur soient aussi accordées, mon roi. Béni sois-tu encore. Nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui rendons honneur et gloire pour son autorité de s'assujettir à toutes choses. C'est là que nous trouvons un refuge certain, une assurance véritable de pouvoir réellement savoir que nous avons un Dieu qui a toute la puissance et qui contrôle toutes choses. Et il nous accorde aussi la grâce ce soir d'être dans sa maison afin que nous puissions prendre part aussi à ce que lui, il est en train de pouvoir faire. Il ne veut pas nous laisser en dehors de cela. Il veut vraiment que nous soyons réellement dans la position que lui, il veut pour que nous prenions part à cette œuvre que lui est en train de pouvoir faire accomplir. Parce qu'il a dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité. Il prolongera donc ses jours. Que Dieu notre Dieu nous aide encore davantage à pouvoir comprendre et réaliser ce qu'il a fait pour nous. C'est que réellement qu'aujourd'hui, nous sommes ce peuple effectivement qui doit manifester en fait. Et que la nature entière attend aussi. Nous devons effectivement nous conformer à cette volonté. Il nous a accordé cette grâce pour que nous puissions aussi arriver à pouvoir accomplir sa volonté. Il a disposé effectivement aussi nos cœurs et nos âmes pour que nous soyons effectivement aussi ce peuple que lui a eu à pouvoir aussi destiner à vivre et à témoigner qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui le monde veut voir le Seigneur, ça doit être par toi, par moi aussi, ma sœur, chacun de nous, afin que réellement que ce monde puisse arriver à pouvoir réaliser que c'est Jésus de la Bible, il est vraiment vivant. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Il bénisse aussi notre frère Emmanuel, et qui est venu de loin aussi, que le Seigneur le soutienne. Il a besoin de nous, il a besoin de Dieu aussi, il a besoin de chacun de vous aussi. Vous êtes frères et sœurs aussi, que le Seigneur... Vous le connaissez? Mais il est là-bas.
votre frère. Voilà, il vous salue. Que Dieu le bénisse. Il vient de loin et vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour cela aussi. Nous voulons dire aussi merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé, la joie de pouvoir voir nos bien-aimés qui étaient partis, qu'il a aussi ramené, comme nous avons prié, que le Seigneur a béni le départ aussi, l'arrivée. Il a protégé aussi. C'est une grâce que nous avons effectivement aussi. Nous, vous savez, j'ai reçu de la part de notre sœur aimée, alors ce sont des questions qu'il travaillait, qu'il avait, qu'il a envoyées. Il dit, ça faisait un bon bout de temps, j'ai quand même eu à pouvoir mettre les dates là-dessus et se poser des questions. Je vais peut-être lire un peu cette question, puis nous allons prendre les écritures. Le Seigneur nous accordera la grâce de pouvoir être court quand même aujourd'hui aussi, s'il le permet. Alors, c'est que je crois que, c'est ça oui, dans son email qu'il m'a envoyé, que je viens de voir tout à l'heure dans mon bureau lorsque j'étais là-bas, il dit, et salue effectivement aussi, et puis il dit, et, alors il dit, la question est ici, la première. Le corps de chair qu'Abraham avait vu avec les deux anges, vous vous souvenez, non? Dans Genèse chapitre 18. Ce corps fait chair que l'Éternel s'était fait, est-ce le même que celui du Seigneur Jésus? Car il dit lui-même que celui qu'il a vu donc le Père. Il a posé la question, je pense que c'est aussi parfois une question qui peut passer aussi par l'esprit de beaucoup. Elle veut savoir si ce corps dans lequel effectivement que le Seigneur était apparu à Abraham est le même corps effectivement que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que d'après la référence elle vient de pouvoir citer, ça veut dire que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est du Nouveau Testament, donc celui qui m'a vu a vu le Père, donc c'est-à-dire que c'est la même, est-ce la même personne, est-ce la même chair, effectivement, le même corps en réalité. Ça, je pense que nous l'avons lu dans Genèse chapitre 18, lorsqu'Abraham était assis sur le chêne de Mamré, et qu'il a vu donc ces trois personnes qui semblaient devoir passer. Et qui les a invités à pouvoir venir, et puis je crois qu'on en a parlé, parce qu'il y a deux ou trois jours de cela, je pense. Et puis aussi, comme elle fait part aussi de ce parallèle qu'il voit, en fait, par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, nous prenons donc dans Genèse chapitre 18, bon, je vais les lire, hein, parce que je vais justement vite lire un peu. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, voici trois hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et vous remarquez très bien aussi qu'on nous fait part, effectivement, que de trois hommes. Chapitre 19, verset 1, on nous dit, donc, les deux anges, donc c'était deux anges, qui faisaient donc partie avec la personne donc dont on a fait référence, parce que dans les Saintes Écritures, on nous dit ceci, chapitre 18, verset 17, on nous dit, de ces trois hommes, effectivement, le deux, on nous a fait part que ce sont des anges qui sont descendus donc à Sodome, et l'autre là, qui est-il? Alors au verset 16, il dit, ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre,
car je les choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison à prier de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Donc nous voyons que celui qui est resté avec Abraham, c'est bien l'Éternel. Et que ceux qui sont descendus effectivement dans donc Sodome et Gomorre, effectivement, ce sont bien deux anges. Alors, quand il a vu ces personnes, il fait bien savoir qu'il a vu donc deux personnes, donc deux hommes, effectivement, ainsi. Il y a une grande différence, effectivement. C'est lui qui est resté donc avec Abraham, et c'est l'Éternel, effectivement. La forme dans laquelle il s'est trouvé, c'est une forme de théophanie. La théophanie, en fait, c'est une forme que l'Éternel lui-même peut prendre, effectivement, pour se rendre visible. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail, mais je vais simplement aller vite aussi parce qu'il est temps. Alors, si nous prenons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, au chapitre 2, je pense, chapitre 1, 2, je pense que c'est là. Oui, Seigneur, merci. Voilà. Oui, chapitre. Luc au chapitre 1, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est là. Lisons à partir du verset 26. Luc 1, 26, il nous dit. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé donc Joseph. Le nom de la vierge était donc Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait s'initier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et puis il dit, « Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. N'est-ce pas? Alors, pour vous lire ici toujours dans les Saintes Écritures, je pense que c'est cela. Au chapitre 2, je pense que c'est cela. Luc chapitre 2. Verset 1, il dit, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était donc enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, et la maillota, et le coucha effectivement dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparit et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En rapport avec ce que nous venons de pouvoir lire, vous voyez bien qu'avec Marie, il s'agissait d'une naissance. Donc, quand on met au monde, c'est-à-dire que naissance, ça veut dire que quelqu'un, un enfant, qui sort effectivement de la personne. Donc, quand il sort d'une personne comme Marie, il a donc la chair d'un être humain. Donc, cette chair d'un être humain n'est pas la même que celle que nous avons entendue avec l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 18, qui est donc la théophanie. Nous ne sommes pas la théophanie, nous sommes charnels, donc terrestres. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que Dieu, notre Seigneur, ne pouvait pas venir dans la théophanie pour nous racheter. Parce qu'il fallait que ce soit un parent rédempteur. Donc, ayant la même chair que nous, et sans étant 100% homme comme nous, pour pouvoir payer le prix de la rédemption, afin que vous et moi, nous soyons libres. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas rentrer très longtemps. Nous allons lire dans les scènes. Ah oui, c'est vrai qu'il avait encore... Je suis peut-être... Bon, il avait encore une deuxième question qu'il posa. Je voudrais tant lire. Je vais quand même rapidement, et puis on prend un tout petit peu, et puis on prie. Sa deuxième question était, nous disons que nous ne verrons pas le Seigneur sans le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'en est-il de ces longues périodes où le baptême du Saint-Esprit n'était pas prêché? Trois points. À l'époque de la justification, Sardes, différentes de l'époque de la sanctification, Philadelphie, ainsi de suite, elle-même aussi différente de l'époque du baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, sa question, je pense qu'elle est telle que toutes ces périodes-là, effectivement, qu'on parle de Sardes, effectivement, ainsi de suite, donc, il n'y avait pas de fusion du Saint-Esprit. Alors, tous ceux-là qui ont eu à pouvoir faire partie, effectivement, de cette période en question, est-ce qu'ils verront Dieu? C'est la question qu'il doit poser effectivement ici. Si nous prenons le Saint des Écritures, voyons que le Seigneur, notre Sauveur, a dit une chose. C'est quoi effectivement, quand il a posé la question, que dites-vous donc que je suis moi le Fils de l'homme? Vous vous souvenez? C'est Pierre qui a répondu à cela, dans Marc au chapitre 16. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui a dit, tu es Pierre, tu connaissais cela, non? Il dit, sur cette pierre, c'est dans cette révélation non, que tu nous donnes, je bâtirai mon Église. Il a bien dit ça, non? Dans Actes au chapitre 2, nous avons vu que Dieu accomplit vraiment sa parole. C'est là que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a commencé. Donc, par l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons effectivement comment les choses ont été. Ben, nous courons, on va tout sauter un peu plus rapidement. Si vous remarquez très bien, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, effectivement aussi, le Seigneur parle, parce que la question était donc parler de Sardes et tout ça, donc c'est toutes ces églises, effectivement, donc cet âge. Vous vous souvenez? Quand on parle de Sardes, non, pourquoi c'est non? Qu'est-ce que le Seigneur a, ben, pour que vous puissiez voir, effectivement, si là, en fait, que ça soit bien compris clairement, sa question aussi, et que ma réponse soit comprise aussi, clairement aussi. Regardez très bien. Dans Apocalypse au chapitre 1, lisons cela. Chapitre 1, on prendra verset 10, à partir du verset 10. Donc, chapitre 1 d'Apocalypse, pardon, je dois juste prendre cela ici et lire avec vous. Voilà. Donc,
verset 9, pardon, il dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus donc ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc ce sont donc ces églises-là, effectivement, aussi, comme la Bible le fait savoir, auxquelles je pense que notre sœur s'est référée. Donc effectivement, c'est pour ça que quand on arrive au chapitre 2, et d'abord, chapitre 2, avant d'arriver là-dedans, nous comprenons, pour que ce soit bien saisi aussi. Verset 17, il dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « N'aie crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, effectivement, et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges, donc, de cette église. Et les sept chandeliers sont donc les sept églises. » Alors, vous comprenez très bien que quand on parle de cette église, donc, c'est la seule qui passe par des périodes, donc, si déjà, comme il avait posé sa question, nous avions donc Sardes compris, Philadelphie compris, on parle bien de l'âge de l'Église. C'est-à-dire qu'il s'agit de la période pendant laquelle l'Église passe. Alors, pour faire partie de l'Église, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, toutes ces personnes, donc tous ceux qui ont fait partie de l'âge de l'Église, effectivement aussi, qui font partie de ça, par exemple, Philadelphie et Sardes, donc ce sont des personnes, c'est-à-dire que, qui ont été déjà, donc qui font partie du corps de Christ, donc qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire partie de l'Église sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, effectivement, la question que notre sœur pose, effectivement, en se disant que voilà, que qu'en est-il de cela, parce que le Saint-Esprit n'avait pas été prêché. Si, ça a été déjà donc prêché le jour de la Pentecôte. Cette promesse est pour vous. Tous ceux qui sont là, en hostigant, donc, c'est notre Dieu, les appellera. Donc, effectivement, tous ceux-là qui croyaient, effectivement, vous pouvez le voir, hein, ils étaient réellement placés à leur place, effectivement. Donc, c'était le Saint-Esprit qui était déjà répandu, effectivement, ainsi. Alors, je pense peut-être qu'il parle, effectivement, de la restauration de ceci, probablement cela, mais il faut dire que le Seigneur, notre Dieu, a eu déjà pouvoir déverser son Saint-Esprit et que tous ceux qui faisaient partie, donc, de ce corps, qui sont son peuple, font partie de ce corps, effectivement, et pour rentrer dans ce corps de Christ, on doit réellement être abreuvé du Saint-Esprit. Donc, est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, le Saint-Esprit était déjà, c'est ce qui fait même qu'il faisait partie de cet âge-là, qu'il était donc des élus de Dieu, il faisait donc partie de cet âge-là. Bon, vite, vite, revenons. Alors, est-ce que ça a été clair? Amen. Je crois que notre sœur aussi a pu quand même recevoir, je pense que le Seigneur l'aide à ce qu'elle puisse comprendre cela. Alors, dans les Saintes Écritures, nous allons vite lire, parce que le temps file vite aussi, que le Seigneur nous aide. Dans le livre des Actes, je pense que c'est cela, nous lisons Actes au chapitre 11, et nous pourrons lire ici verset 17, il nous dit ceci. Acte 11, verset 17, il dit, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient donc la vie. » Amen.
Nous voulons te dire merci, notre Père, pour le temps que tu nous donnes, mon sauveur. Que ton nom soit béni. Tu nous as dit dans ta parole à toi que l'homme n'aura pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent donc de la bouche de Dieu, notre Seigneur. C'est à cela que nous nous accrochons, Père Saint-Dieu. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour, pour ta compassion et la grâce que nous avons de pouvoir vraiment t'avoir, Père Dieu. Au travers des psaumes, tu nous as vraiment béni et touché le cœur, de chanter les cantiques encore pour ta présence, bénir réellement aussi ton serviteur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Conduis-nous encore, Père, nous en avons besoin, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est un événement qui est tellement si frappant. En fait. Quelque chose qui a bouleversé, effectivement, les habitudes des gens. Leur manière, effectivement, de pouvoir voir, effectivement, les choses dans lesquelles ils étaient réellement aussi convaincus que les choses sont ainsi parce qu'ils y étaient comme cela aussi. Souvenez-vous que lorsque Pierre est entré donc chez Corneille, il a reconnu quelque chose. Vous vous souvenez dans les Actes au chapitre 10, lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il a dit une parole, je pense qu'on peut peut-être lire effectivement ici, hein, comme ça. Alors, c'est chapitre 10, oui, c'est là. Voilà. Et nous pouvons lire ici. Voilà. Chapitre 10, verset, peut-être on peut lire à partir du verset 33. Hein. C'est Corneille. J'aimerais bien que. Bon, vous me permettrez, je vais quand même lire un tout petit peu. Voilà. Chapitre 10, donc, verset 23, il dit, Pierre donc le fit entrer et les logea, le lendemain il se leva et partit avec eux, hein, et voilà, et avec eux, et quelques-uns de frères de Joppé aussi l'accompagnèrent. Ils arrivèrent donc à Césarée les jours suivants, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Maintenant, Pierre dit, verset 28, il dit, « Mais vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Donc, il leur fait comprendre, effectivement, que ça, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Tout juif qui a cru, effectivement, qui connaît Dieu, effectivement, il sait qu'il est absolument défendu. C'est comme ça que nous honorons notre Dieu, parce qu'on ne peut pas s'essuyer, en fait. Parce que chez les païens, ils adorent des choses, effectivement, donc nous ne pouvons pas nous mêler avec ces choses-là et entrer, effectivement, ben, il est vraiment défendu de pouvoir les faire. D'ailleurs, vous remarquerez très bien que c'est dans le chapitre 11 que nous avons lu ici, je pense que c'est cela, ici, voilà, chapitre 11, effectivement, donc chapitre 10, verset chapitre 11, maintenant verset 1, il dit... Les apôtres et les frères qui étaient donc dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Vous entendez? En disant, mais tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc effectivement, c'était quelque chose qui était vraiment fondamentalement interdit. C'est pour ça que quand Pierre est venu, effectivement, il a confessé la chose. Il dit effectivement que moi aussi, j'étais comme ça, effectivement, qu'il nous a été interdit, on ne peut même pas entrer, même pas s'asseoir avec vous. Mais, écoutez bien, il a ajouté le mais. Il a eu à pouvoir le dire, effectivement, aussi dans l'écriture que nous lisons ici, là, donc, verset donc 28 que nous disons. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc si Dieu n'arrive pas, s'il n'avait pas fait cela pour Pierre,
Eh bien, Pierre serait resté effectivement dans toutes ces traditions, effectivement, que je ne vais pas m'approcher de celui-là, il serait donc celui impur. Parce que ce que l'acte que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir poser, ce n'était pas tellement très bien compris par beaucoup. Oui. Les sacrifices qui étaient accomplis donc à Golgotha, le sang qui a été versé. Je suppose que si vous prêtez bien attention dans les scènes d'écriture, les temps. Quand Jean-Baptiste faisait son travail, lorsque il a vu le Seigneur venir aussi à son baptême, qui s'approchait effectivement ces jours-là, il a dit ceci. Voici donc l'agneau de Dieu qui fait quoi? Les péchés des croyants seulement? Non, du monde. Donc il me dit, oh, Dieu est bon, mon frère. L'amour de Dieu est tellement si grand. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours prêter attention à la parole de Dieu. Parce que c'est notre héritage. Et quand Dieu nous parle, effectivement, il ouvre nos oreilles et aussi nos yeux pour que nous puissions entendre et puis bien comprendre les choses. On ne peut pas croire comme tout le monde. Non, 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 non. C'est pour ça que cet homme ici, je prends dans le livre de Luc au chapitre 1, vous vous souvenez, Théophile, hein, vous connaissez là? Luc au chapitre 1, il dit des choses importantes. Ici, ça va, cela. Voilà. Il dit ici, plusieurs ayant entrepris donc, verset 23, il dit, mais il m'a semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, d'être exposé par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as donc. Donc, nous, notre foi ne peut pas être basée sur des choses aléatoires. Une foi sur une parole, effectivement, peut-être. C'est la raison pour laquelle que Dieu, il est tellement si bon pour nous qu'il nous a pris, effectivement, pour nous mettre à part, afin que nous ne puissions pas marcher avec des interprétations, des peut-être, effectivement, parce qu'avec des interprétations, nous n'aurons jamais une foi ferme et confiante dans le Seigneur. Parce qu'on va se dire, mais est-ce que c'est possible? Mais Dieu veut que nous puissions avoir la ferme assurance. Et la certitude, effectivement, que ça, c'est vraiment ça que le Seigneur aille à pouvoir dire. C'est pour ça qu'il nous dit, effectivement, qu'il a prié, il m'a dit, je te loue, Seigneur du ciel, Père, Seigneur de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est la grâce que Dieu t'accorde, toi, mon frère. M'accorde-moi aussi de pouvoir recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et je leur ai dit toujours, je dis toujours effectivement que tout le monde ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est une grâce que tu puisses avoir la parole de Dieu et avoir la révélation qui te pousse à crier gloire à Dieu. Ça, c'est la chose qui réveille encore ton âme quelque part. Mais c'est la vérité. Mais c'est pas ça correspond à la vérité qui est en toi. Oui. Là, c'est tellement ferme que tu ne peux même pas vaciller. Il n'y a même pas l'ombre de doute. Mais est-ce possible? Est-ce possible? Non, cela est vraiment vrai et c'est possible. Donc, effectivement, c'est l'agneau de Dieu qui est mort, qui a ôté le péché du monde. C'est pour ça que vous entendez bien les Saintes Écritures, ce que la Bible dit, que c'est que le Seigneur veut qu'il parvienne donc à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, Dieu ne condamne personne. Je veux que vous compreniez ce que cela veut dire. Ce que toute la condamnation et la malédiction est tombé sur cet homme-là.
Donc la malédiction qui était sur l'homme, la condamnation qui était sur l'homme, c'est tombé sur ces Jésus. Donc mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, chaque homme sur la terre, effectivement, Dieu ne te condamne plus. Parce que s'il a fait, s'il le fait, ce qui veut dire que ce sacrifice qui a été offert n'était pas vraiment complet. Vous vous souvenez, nous en avons parlé avec vous ici. Dieu s'est fait homme. Quand on dit, il a ôté mon frère, c'est qu'il a vraiment ôté. Maintenant, c'est à toi maintenant. Parce que tu ne peux pas dire qu'effectivement, non, je suis pécheur parce que Adam, c'est la faute d'Adam. Non, le dernier Adam est venu. Donc tu ne peux plus mettre ta culpabilité sur Adam. Non. Le premier, il a échoué. Alléluia. Mais le dernier, le Seigneur de gloire, il a vaincu. Il n'a pas péché. Il a vaincu. Il a accompli toute la parole de Dieu. Il n'a pas mangé avec on se dit bien là. Non. Oh. C'est pour ça que il s'est posé la question, dit lui. Toi, Pierre, tu es entré là-dedans. Tu as brisé l'écriture. Parce que il nous est absolument interdit pour que nous puissions être dans la présence. Il nous a interdit d'entrer chez eux. Même de manger avec eux. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Parce que là, tu es souillé, en fait. C'est pour ça que vous voyez que Pierre disait, mais pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Parce que moi j'étais aussi comme vous. Hein. Frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir apprendre notre Dieu, apprendre de lui tous les jours. C'est la grâce et le privilège que nous avons de rester dans cette humilité, effectivement. On pouvait dire que Pierre avait déjà tout. Non. Dieu lui montre que non, tu dois toujours compter sur moi et apprendre davantage. C'est aussi notre cas, en fait. C'est pour ça qu'il dit, oui, mais moi aussi, j'étais comme cela. Mais Dieu m'a appris. Et j'étais là, en extase où j'étais, j'attendais la nourriture, et tout d'un coup, comme ça, paf, la vision tomba. Je n'ai pas cherché. Mais Dieu, qui savait pourquoi il m'avait destiné, il voulait que je puisse accomplir sa volonté. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, si Dieu t'a choisi, c'est déjà une grâce. Mais il faut quand même être conscient que Dieu m'a choisi. D'abord, si Dieu t'a choisi, tu vas réaliser d'abord qu'il a fait son choix sur moi. D'abord, tu lui dis, comme il a dit le psaume, que Dieu le bénisse. Quand je contemple les cieux, j'aime Jésus. Amen. Ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Alors, quand Dieu t'a choisi, tu te regardes, tu reconnais la grâce qu'il t'a accordée. Seigneur, tu m'as ramassé. Frères et sœurs, tu ne pourras jamais en fait te mettre dans une position de pouvoir argumenter avec Dieu ou quelque chose comme ça. Parce que tu reconnais d'abord la bassesse de ce que toi tu es, c'est là. Et puis de ce qui t'a ramassé et qu'il a fait de toi ce que tu es devenu tous les jours de ta vie. Chaque moment de ta vie, dans les bons comme les mauvais jours, tu vas toujours lui dire merci. Parce que tu sais, là où il t'a ramassé et là où il t'a placé, jamais tu pourras être plus basse. Parce que tu réalises d'abord, Seigneur, j'étais là, mais tu as fait de moi ça. Comment ne pas te louer?
Ce ne sont pas les paroles simplement, mais c'est la reconnaissance du fin fond de mon âme, parce que je connais qui j'étais. Parce qu'il faut te reconnaître d'abord qui tu étais. Et ce que tu as fait de moi aujourd'hui, c'est pour ça que je te loue. Donc tu reconnais cela et ta considération avec Dieu devient différente. Donc chaque jour et chaque moment, chaque instant, tu réalises effectivement cela. Alors, quand il descendit donc la nappe, comme Pierre l'expliqua, Pierre a pu voir que toutes ces choses, c'était donc des choses qui lui étaient donc interdites. Ça, ça m'a toujours touché, moi. Tant bien avec Abraham qu'avec aussi Pierre. Je crois que je vous l'avais déjà dit ici. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quand même particulier. Il faut vraiment quelque chose de, je ne sais pas, mais c'est quand même particulier. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Il leur était interdit, c'était interdit dans les Écritures. Dans les Écritures. Vous ne pouvez ni même pas toucher cette chouille. Ni même pas, après c'est déjà touché, tu ne peux pas toucher, même pas manger. Donc si tu manges cela, c'est pour que toi et moi, nous puissions comprendre, je ne sais pas combien de fois dans ma vie je le répéterai, l'importance de ce Jésus, ce que Jésus a apporté dans les domaines spirituels. Il entend Pierre, la voix qui lui dit, lève-toi, tue ces choses-là, hein, et puis mange-le. Moi, j'ai toujours dit, si c'était moi, j'aurais directement dit, regarde-moi, Satan. Moi, j'ai dit, moi, je fous, je ne sais pas, parce que moi, je me pleure la garde, je dis, moi, si j'étais moi, main comme cela, j'étais moi là à ce moment, j'ai dit, mais je dirais, regarde-moi, Satan. Mais ce qui m'a étonné, c'est de pouvoir voir que Pierre n'a pas réagi comme ça. Je vais vous dire une chose. C'est quand même étonnant. Hein? Ah non. Bon, enfin bref. Regardez. Cet homme ici, il répond en disant, Seigneur. En fait, il disait, mais depuis que je suis né, je n'ai rien ni touché ni mangé de ce genre de choses qui sont donc souillants. La voix revient encore. C'est que l'Éternel, notre Dieu, a déclaré comme pur. Toi, ne regarde pas comme souillé. Vous savez, frère, quand on lit, effectivement, on trouve facile. Ah, Pierre, regarde-moi. Mais regardez, parce que même quand il est rentré à Jérusalem, on lui dit, mais c'est pas possible, Pierre. Pour que vous puissiez comprendre combien cela a été vraiment ancré. Il dit, mais tu es entré dedans. Et Dieu a accordé grâce à Pierre de réaliser effectivement l'importance de la dispensation. De ce Jésus dont il a prêché, dont il a parlé, mais de voir encore la grandeur de là, ce qu'il a apporté, qu'on n'arrive même pas très bien à pouvoir voir. Là, il a compris. Il dit, c'est Jésus. Non. C'est plus haut qu'on pouvait l'imaginer, en fait. Parce que remarquez très bien, je vais aller vite, parce que le temps vite. Quand il est rentré là, chez Corneille, il a dit, effectivement, mais Dieu m'a appris, effectivement, vous comprenez ce qui s'est passé? Et puis maintenant, il dit, mais, parce que Corneille dit, mais nous sommes tellement attentifs et attendants pour que tu nous dises tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Il n'a pas entendu là, effectivement, la voix qui dit, mais je t'ordonne, on va leur dire ceci. Non! La voix lui a dit simplement, ne résiste pas quand ils viendront, pars avec eux. Ils sont là-bas, pars avec eux. Il n'a pas dit, mais quand tu diras ça, 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 ça. Non, monsieur.
C'est là la grandeur de ce Jésus, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je pense aussi que beaucoup ne réalisent pas vraiment, ne comprennent pas effectivement très bien. On a en fait une connaissance un peu aléatoire, un film de ce que... Parce que quand on est assis là-bas, on est assis ici, comment vous appréhendez en fait votre présence et même ce que vous entendez quand on parle de Jésus, quand on lit les Écritures, vous l'appréhendez comment? Frères et sœurs, quand il était sur la terre, il marchait, il prêchait. Vous savez que le Seigneur notre Dieu, et ça je le crois de tout mon cœur, qui nous place aussi dans une dimension. Comme à l'époque où il était sur la terre, comme à l'époque où les apôtres étaient aussi sur la terre, quand la parole était prêchée, le peuple s'est rassemblé et s'asseyait comme vous vous asseyez. Et ils écoutaient aussi la parole de Dieu. Mais regardez comment est-ce que Dieu agissait en fait. C'était en fait la manière dont les gens attendaient. L'attente de ces personnes. Vous allez comprendre. Vous voyez, la Bible dit qu'effectivement, qu'on est invité donc à rassembler sa famille, ses intimes, ses amis intimes. Qu'est-ce qui a fait que cet homme ici soit, quand Pierre vient, il se met même à genoux devant Pierre? C'est parce que quelque chose s'est passé avec lui. Il a eu une visitation, effectivement, il a réalisé que Dieu était vrai. Et même il se souvient encore des choses qu'il lui faisait. C'est Dieu qui se souvenait. Il dit, tes hommes et tous certains sont montés vers Dieu, tes prières. Vous vous souvenez, non? Donc, Corneille s'est rendu compte en disant, parce que vous voyez qu'il faisait comme tout le monde, il était bien, tout ça, il dit, bon, j'ai fait, mais ces jours-là, il s'est rendu compte que non, mais chaque chose que moi j'ai fait, que je faisais, que je donnais, ceci et cela, donc c'est Dieu de cieux. Le voyait et il le comptait. Il m'a envoyé même son ange ici pour me parler à moi. C'est que Dieu est vivant. Il n'a plus vu Dieu dans une autre façon. Vous voyez, à l'époque, là, c'était un changement. Oui, alors l'attente de la parole de Dieu, de l'homme que Dieu envoie, mais c'est différent. On est tout oui, le cœur tremblant. Oui, mon frère et ma soeur. L'entente est différente. Ce n'est pas avec des involtures. Non, l'homme, il tremble. Il s'agenue devant l'homme dont Dieu a parlé. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. C'est ça qui nous manque, mon frère et ma soeur. On est nonchalant. On dit, mais Dieu, tu n'agis pas. Non, Dieu toujours agit tous les jours. Mais c'est notre condition à nous qui doit permettre que ce que Dieu est en train de faire, ça rentre aussi là, que nous en sentions les effets et les bénéfices, effectivement, en ayant considération à l'endroit de ce Dieu, que tu es vraiment vivant, tu es tout puissant, tu es capable et il fait. Amen. C'est sûr et certain cela. Frère et ma soeur, nous en tant que peuple de Dieu, il ne peut rien nous manquer. Bien sûr que oui. Regardez très bien. Regardez. Alors, Pierre a commencé, il a ouvert la bouche. Il n'a rien prémédité, rien du tout. Il a dit simplement, en réalité, que je reconnais. Il a commencé à pouvoir parler. Et alors, vous savez, tout ce peuple-là qui était donc assis était vraiment plongé et très attentif. Parce que d'abord, on pouvait vous rendre compte qu'effectivement, qu'ils étaient rassemblés là. Parce qu'un homme qui a été convaincu par Dieu, c'est comme ça que toi et moi, nous devons être, mon frère.
quand nous m'approchons de quelqu'un pour lui rendre témoignage, soyons d'abord convaincus. Parce que la personne à laquelle nous rendrons témoignage, il doit sentir que cette femme, cet homme qui me parle, il est convaincu. Même si lui, il avait de Dieu, effectivement, mais ta détermination à toi fait que cet homme-là, cette femme dit, où est-ce que tu vas prier? Parce que ce que je ressens, toi, ce que toi, il dit, parce que les autres, moi, ils parlent de Jésus, ils parlent de Jésus, mais toi, on dirait que tu le connais. Bien sûr. Jésus, notre Seigneur, ne doit pas être un étranger pour toi. Ou quelqu'un que tu sembles connaître. Non, il doit être quelqu'un que toi, tu dois connaître. Tu parles de quelqu'un que tu connais. Cette femme samaritaine, vous dites qu'il faut dire, maintenant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient. Il lui a parlé, non? Et vous savez ce qui s'est passé? La femme a abandonné donc sa cruche. Il a abandonné donc sa cruche. Vous avez lu cela, non? Il a couru dans la ville pour rendre témoignage de ce qu'elle a vécu. C'est comme ça que les gens de la ville sont venus. Vous avez déjà lu ça, non? C'est dans Jean chapitre 4, dire chez vous à la maison. Venez donc voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Et si c'est l'un des derniers, parce qu'ils attendaient le Messie. Non? Quand ils ont vu la femme venir avec cette assurance, cette détermination, ils disent, allons-y, le voir aussi, nous aussi. Vous voyez? Et ces gens, avez-vous lu cela ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Parce qu'il est 21, je dois commencer à pouvoir lire effectivement aussi. Et c'est comme cela que ces hommes et ces femmes dans cette ville ont accouru pour aller voir cet homme-là. Qui a fait quoi? Mais qui a changé la vie de cette femme que l'on connaît? Et qui est venu nous rendre témoignage, mais avec détermination, donc en la regardant, on dit, mais certainement, elle a vraiment rencontré quelqu'un. C'était pas, bon, peut-être, non. La femme était convaincue. Sûre dans sa façon de pouvoir déclarer les choses. Mon frère et ma soeur, le grand problème avec nous, c'est que quand on est avec les gens, on a un peu honte de pouvoir parler de Jésus, parce qu'ils vont se moquer de nous, que Dieu ait pitié. Qu'on se moque de toi, tu as le don le plus précieux. Tu dois reconnaître que c'est une grâce extraordinaire que le Dieu du ciel t'a accordé, toi, et s'est fait connaître à toi par rapport à tous ces chiens. Et toi, tu dois avoir honte de parler de celui qui est honorable. L'excellence de l'excellence. Le suprême. Mon frère. Ma soeur. C'est là que quand les gens, vous êtes avec, effectivement, vous ne convaincrez pas les gens avec qui vous travaillez ensemble parce qu'ils voient qu'il n'y a pas en vous cette détermination. Ils ne sentent pas qu'effectivement, que quand vous parlez de pendant, bon, Dieu existe, oui, Dieu existe, effectivement, mais en fait, si Dieu existe, oui, je l'ai. Amen. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, frère et soeur. Nous devons être des personnes dans ce monde qui changent la vie de beaucoup de gens. Ceux qui nous approchent et qui un jour nous côtoient doivent se poser la question par rapport à leur propre vie. Vous n'aimez pas être de ceux-là que quand les gens qui sont dans le monde se rapprochent de vous, se renforcent encore davantage dans leur position de monde. Vous savez qui vous êtes? Des lettres écrites.
Vous vous souvenez, non? Nous avons lu, hein, quand on lisait la Hébreu, non? C'est-à-dire qu'effectivement, que les gens doivent voir que les saintes Écritures est en train de se manifester au travers des cieux. Parce que quand il s'asseye avec toi, il fait sortir des paroles tellement grossières. Mais vois que toi, ce que tu fais sortir, ce sont des paroles qui sont environnées de quelque chose de surnaturel. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Qui fait que cette personne, quand il vous entend parler, ça le fait questionner en lui-même. Mais si tu as la langue qui insulte, tu as des sanités, effectivement. Comment est-ce qu'un païen qui vient vers toi peut se sentir aussi concerné par ce que tu peux prétendre être, en fait? Par contre, par ta vie, par ta façon de pouvoir faire les choses, tu éloignes les gens de Dieu davantage aussi. Tu deviens un obstacle. Au lieu que tu sois peut-être un passage. Ah oui, mais tu deviens maintenant un obstacle. C'est-à-dire qu'effectivement, tu travailles avec qui? Avec les démons. Pierre, il parlait effectivement ainsi comme il expliquait. Et vous pouvez remarquer effectivement que ces hommes-là qui étaient rassemblés, leur attention était vraiment soutenue parce que derrière eux, il y avait quelqu'un. Et quand même, on a vu ces quelqu'un-là, hein, qui était là, celui qui les rassemblait, effectivement. Lorsqu'il a vu ce dont il leur avait parlé, effectivement, arriver, on a vu la considération. On n'a pas vu la comédie, non. On a vu le respect qu'il a. Même son genou a perdu. Non, 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 lève-toi. Je suis aussi un homme comme toi. Il était un homme comme lui, mais un homme tout à fait particulier. Dieu a fait de lui en plus. Voilà pourquoi Corneille, quand il l'a vu, ce n'était pas un homme comme eux, parce qu'un homme connu de Dieu, auquel Dieu a eu à pouvoir leur dire, mais allez le voir, lui, qu'il vienne chez vous, là. Alors, voit cela, je dis, mais alors ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas comme tous les hommes qu'on trouve seulement sur le marché, dans les endroits où on va. Non, il est différent. Tu dois être comme ça, mon frère, comme ça, ma soeur. Que partout où tu passes, on dit non, celui-ci et celle-là, ils sont vraiment différents. La façon même de se tenir, on dirait qu'ils ont quelque chose qui n'est pas pareil à tous les hommes sur la terre. Eh bien, ils ne sont pas pareils, tous les hommes, parce que ils sont donc fils et filles de Dieu. Quand on parle de fils et filles de Dieu, il ne faut pas chez vous, en fait, que ça soit comme c'était une formule, parce que tout le monde utilise ça. Mais vous, vous savez que le Seigneur, dans la parole de Dieu, il a permis que ce soit écrit pour que vous soyez identifiés, que vous sachiez que c'est ce que nous sommes. En fait, vous l'avez donc expérimenté par la nouvelle naissance. Vous savez que nous sommes nés de lui, nous sommes ses fils et ses filles, parce que nous sommes nés donc de lui. Et puis, quand je suis né de lui, je réalise que je suis vraiment né de lui. Ce n'est pas une formule que je répète dans l'église, j'ai expérimenté une nouvelle naissance. Non, je suis vraiment né. Ça s'appelle la nouvelle naissance, donc né de nouveau. Parce que quand je me regarde, quand je me considère dans mes habitudes, dans ce que j'étais auparavant, quand je mets en balance ce que j'étais auparavant avec ce que je suis devenu maintenant, alors je vois qu'il y a une grande différence. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Ah. Donc ça, je n'attends pas que quelqu'un vienne me le dire. À moi-même, je réalise qu'effectivement, que avant je pensais comme ça. Toutes les pensées de leur cœur et tout ça tournaient toujours vers le mal. Hein?
J'ai dormi, j'avais toujours du mal. Je pensais que quelqu'un m'a fait, je voulais toujours les tuer. Et ça, j'ai cherché toujours comment lui faire des petits coups bas, ainsi de suite. J'avais tout cela pour... Mais maintenant, quand je dors, Seigneur, c'est extraordinaire. Je pardonne à tout le monde. Je n'en veux même pas celui qui m'a insulté. Seigneur, c'est quand même terrible. Mon cœur ici, tu as changé. J'attends pas que X, Y vienne me le dire. Moi-même, je me réveille, je dis, Seigneur, je me mets à genoux, que ton nom soit béni. Merci que tu m'as changé parce que je voulais cela. Je ne veux pas cela pour que les gens disent que je suis changé, mais c'est parce que moi-même, je veux être changé. C'est pour ça que la Bible dit, mais examinez-vous vous-même pour voir si vous-même, pas que quelqu'un vous examine. Vous-même. Et quand vous voyez que ça ne concorde pas, vous-même, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. N'attends pas, tu vois, pendant qu'on te dise que non, toi, Seigneur. Je veux cette nouvelle nature. Je ne veux pas autre chose. Et parler comme ça, non, Seigneur, arrache-moi ça. Parce que je veux être comme la Bible le dit. C'est parce que ta profondeur qui est au-dedans de toi est conforme à cela. Et ce que tu es devenu, ce n'est pas ce que tu es. Et la chose doit sortir. C'est pour ça que tu n'attends pas quelqu'un dire, tu dois changer. Non, toi-même. Au-dedans de toi, et quand tu entends l'écriture, tu n'es pas indifférent. Parce que c'est par là que le Seigneur te sanctifie, qu'il te nettoie, qu'il enlève tout ce que toi tu ne veux pas. C'est pour ça que tu aimes l'écriture. Parce que ce que tu es, tu n'aimes pas. Alors il faut qu'il y ait un moyen qui doit m'aider à pouvoir ôter ce que je déteste, pas je ne le veux pas. Alors quand l'écriture vient, dit Seigneur, merci. Merci, fouette-moi encore, parle encore, dis-moi que je vois, arrache-moi. C'est comme cela. Quand Dieu a fait un choix sur toi, le temps est arrivé, que Dieu soit béni. Nous ne pouvons pas aller plus loin, que Dieu nous bénisse. C'est vrai, frère, parce que quand vous pouvez remarquer, frère, ce qui s'est passé avec ces gens, parce qu'il y a eu cet homme, Corneille, changé, touché profondément. Alors quand il a eu à pouvoir demander, il a convaincu les gens. Lorsque Pierre est venu, ils étaient tellement attentifs, ils écoutaient tellement. Et c'est Pierre qui n'a fait que parler de ces Jésus montrant. Parce qu'il devait réaliser effectivement aussi que pour qu'il devienne effectivement d'une autre personne. C'est parce que quelque chose s'est passé, c'est parce que quelqu'un l'a fait. Pour qu'il connaisse et comprenne effectivement pourquoi un ange est venu vers lui. C'est sûr. Tout cela a pénétré dans leur cœur. Mais regardez quelque chose de très particulier qui s'est passé. C'est quoi? Pierre a parlé, effectivement, de la mort, de la résurrection, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Ils étaient toujours écoutés, ils se suivaient, effectivement. Mais ils savaient, mais il l'avait. Donc tout ça, il avait la vision, effectivement, il faut avoir la vision qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Vous comprenez, frère? Ah, c'était déjà des nations. Quand Pierre dit, mais il est venu, il est mort, effectivement, il a fait en Israël, il a fait pour les enfants. Mais puis, quand ils ont entendu, c'est là la différence, mon frère. Il dit, mais tous les prophètes ont donné le témoignage que quiconque, pas seulement Israël. Avant, c'était Israël. Mais maintenant, il dit, mais quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses. Alléluia. La Bible dit que c'était l'explosion dans leur cœur. Ils attendaient d'attendre cela pour savoir qu'ils étaient aussi inclus. Ils ont compris que la repentance était aussi accordée. Oui, monsieur, le pardon des péchés. C'est comme cela. Le Saint-Esprit leur a été donc accordé parce qu'en entendant, en comprenant qu'il fallait la repentance et que cela leur a été accordé aussi, ils se sont repentis. Ils l'ont reçu. C'est Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux, mon frère. Ils l'ont reçu. Ils ont reçu la repentance, effectivement. Ils se sont repentis, effectivement. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit
est descendu. Sans repentance. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez, les temps filent. Avez-vous remarqué d'abord, frères et sœurs, que quand Jean... Aïe, Seigneur, les temps, hein. Quand Jean faisait ce qu'il fallait faire, effectivement, il a dit une chose, il dit, moi, Jean, je vous baptise, je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 3, je pense, c'est cela. Et... Matthieu, chapitre 3... Et puis je vous laisse, hein, parce que j'ai dit ça. Matthieu, chapitre 3. Verset 7, il dit. Me voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, vous y êtes ? Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous entendez? Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la connue est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi? À la repentance. N'est-ce pas vrai? C'est pour que vous puissiez comprendre effectivement combien la repentance est importante. Parce que c'était le baptême de la repentance pour qu'ils aient l'occasion de recevoir celui que Dieu envoie. Le précurseur de la première venue est venu avec le baptême. Est-ce que vous me suivez? Le baptême, la repentance. Je vais être court. Avez-vous remarqué que le jour de la Pentecôte, quand Pierre dit effectivement, et puis il arrive à dire, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, pas avec hésitation, pas avec peut-être est-ce que c'est lui, et c'est bien lui, ou devant nous, mais c'est, et si les, quand le Messie viendra, on dit maintenant que vous sachiez avec certitude que Dieu a fait, c'est Jésus. Seigneur, vous connaissez, non? Et puis la Bible dit, mais lorsqu'ils entendirent cela, leurs cœurs furent vivement touchés. Ça veut dire qu'ils avaient compris. Ils ont posé la question, oh homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Répentez-vous. N'est-ce pas? Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos... Et puis, qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi par après? Et vous recevrez le don du... Donc, sans repentance. Sans réellement une repentance véritable, mon frère et ma sœur, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça, nous ne devons pas être durs dans le cœur. Il faut reconnaître ce que nous avons fait. Vraiment une repentance sincère. En fait, parce que nous n'avons pas le temps, la repentance, en réalité, c'est le regret sincère de tout ce que nous avons fait. Avec le désir profond de pouvoir l'abandonner, c'est là, par la repentance aussi que vous dites à Satan, plus jamais. En fait, c'est là aussi que les liens entre vous et les démons sont brisés. Parce que vous reconnaissez que j'étais un voleur, parce que j'avais cet esprit de vol, et toi tu m'avais lié. Maintenant je n'en avais plus. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi longtemps que tu ne te repens pas. Mais ce que tu dis à ces démons de vol, de rester avec toi, quand tu le maquilles un peu, tu dis, ah non, je ne suis pas voleur. Mon frère, quand tu as volé, quand tu as manqué, reconnais ce que tu as fait. C'est pour ça que je dis, mais il ne faut pas expliquer. Oh, mais c'est bon, je n'ai pas volé. Tu sais que tu l'as fait.
Si tu expliques que tu es en train de protéger les démons, tu ne peux pas vivre avec un démon. Les démons, c'est un destructeur. Ils te détestent, ils te détestent, ils te haïssent. Alors ne les cache pas, expose-le. Qu'on le chasse, effectivement, qu'il aille dans les chaînes. Oui, qu'il soit enchaîné. C'est pour ça qu'il a dit, mais, donc Dieu a accordé donc la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Parce que sans repentance, il n'y a pas de vie. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, ne cache pas tes péchés. Aussi grand soit-il, n'aie pas peur. Présente-le devant le Seigneur et confesse-le sincèrement. Dieu te pardonnera. Tu verras ta vie changer. N'explique pas, ne couvre pas, oh, moi je suis saint. Non, tu es tombé, reconnais que j'ai fait ça, c'est vrai Seigneur, pardonne-moi. Alors Satan n'aura plus le pouvoir sur toi. Parce qu'aussi longtemps que tu le couvres avec des explications de ceci et de cela, voyez comment votre vie boite. Parce que ce démon-là, il est rusé. Hein. Il va faire de toi, comme on dit, je suis un fils, je suis saint. Non, quand tu es saint, tu es un fils de Dieu, tu dois savoir la souillure s'est attachée à toi. Je n'en veux pas, je ne cherchais pas ça, je n'en veux pas. Satan, maintenant, toi, je t'expose, tes démons, je ne suis plus ami de vous. Amen. Je ne suis pas votre personne, non, c'est fini ça. Amen. Remarquez, je termine. Remarquez ce qui était merveilleux. À cette femme-là de mauvaise vie, la Samaritaine, qui Dieu soit béni. Le Seigneur l'a aimée. Il dit, mais en cela, tu as dit vrai. Parce que vous pouvez discuter, dire, expliquer. Non, il n'a pas expliqué. Alléluia. Il n'a pas expliqué. Mais il a reconnu, je n'ai point de mari. Parce qu'il voyait sa vie qu'elle avait. Il n'a pas expliqué, voyez-vous. Non. Là, le diable avait lâché prise. C'est lui dit, mais en cela, tu as dit vraiment vrai. Ah. Que Dieu nous aide. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous venons à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu es notre Dieu. Nous avons la grâce de pouvoir te servir et connaître qui tu es, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et marcher avec toi. Tu as fait de nous un peuple qui, oh Jésus-Christ, mon roi, pardonne-nous encore parfois, nous ne comprenons pas tellement très bien les choses, mais tu ne manques pas de pouvoir toujours venir nous montrer la voie juste et nous faire sortir de tous les liens que le diable a et à pouvoir tisser aussi avec la ruse, avec son malignité, Seigneur Père Saint-Dieu. Tu l'as dit qu'il était malin. Oh Jésus-Christ, mon roi, aide-nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te supplions de nous aider. Là où nous sommes enlacés sans se rendre compte, mon bénémoine Père Divin, révèle-toi à nous, mon Seigneur Jésus, et montre-nous, Père Saint-Dieu, comme tu l'as fait pour Achan, comme tu l'as fait pour Seigneur, accorde-nous la grâce, tu l'as fait pour Ananias et Saphira, Père Saint-Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-nous encore, mon bénémoine Père. Nous avons besoin de toi. Nous sommes un peuple qui t'appartient et sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons entendu par ta parole à toi qui est par ta lumière. Nous avons aussi la lumière, Père Saint-Dieu. Nous voyons la lumière, mon roi. Si toi, tu n'éclaires pas, comment pouvons-nous avancer et voir, Père Saint-Dieu? Je te remercie. Et encore pour ton peuple, encore ce soir, pour chaque frère, pour chaque sœur, qui soit effectivement aussi victorieux, encore ce soir, mon bénémoine Père du Saint, et avançant de progrès en progrès, de victoire en victoire, afin de ne pas laisser les diables, les démons, toutes ces choses-là, avoir le pouvoir sur eux, parce que nous avons été appelés à pouvoir dominer, et pas qu'on domine, que nous avons dominé, Père Saint-Dieu, à chasser les démons, Père Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, mon roi. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon roi. Ton nom soit glorifié encore aujourd'hui pour toutes ces merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Aide-nous à avancer avec toi et dans l'assurance et dans la foi et dans la confiance encore aujourd'hui. Bénis mon frère, bénis ma soeur, mon roi, et soutiens chacun d'eux, Père. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais. Aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci encore pour ce moment béni. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père. Travaille nos cœurs et nos âmes.
Dispose, Père Saint-Dieu. Souviens-toi de mes bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi précieux, Père Dieu, qui sont en connexion dans chaque lieu où ils se trouvent, mon bien-aimé Patibissant, dans leur demeure. Que ton Esprit Saint puisse encore agir et nous ramener davantage à toi pour t'aimer encore davantage, mon roi. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le sacrifice de Golgotha, mon roi. Oh, cette œuvre de rédemption est tellement si grande. Oh, nous en sentons les bénéfices encore davantage, Père. C'est dans le monde entier. Oh, que ton nom soit béni, Jésus. Merci d'être venu, mon roi. Sois béni, sois glorifié et sois exalté. Car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour notre précieux frère Christian et toute sa famille, parce que je crois que c'est demain qu'ils devront prendre aussi l'avion pour partir au Canada. Ils vont y aller pour quand même un petit long moment. Nous voulons prier que le Seigneur les garde là-bas, les protège. Ils sont nôtres. Et si déjà ils se déplacent, c'est aussi une partie de nous. Nous prions que le Seigneur les garde vraiment, les protège, que tout se passe bien, qu'il les conduise là-bas aussi, qu'il les fortifie, qu'il bénisse les enfants. La maman aussi, toute la famille entière, qui soit sous le sang du Seigneur et que rien de mal les arrive. Qu'il bénisse la famille de notre précieux frère Yvon, notre sœur aussi, qu'il les rende à accueillir là-bas pendant tout ce temps là-bas. Que le Seigneur les bénisse richement pour leur amour, pour aussi leur hospitalité, pour tout le bienfait qu'ils vont leur procurer là-bas, parce qu'ils le font parce qu'ils aiment le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur leur donne aussi ce qui est nécessaire pour qu'il leur manque absolument de rien. Qu'ils bénissent leur départ, leur séjour là-bas et aussi leur retour parmi nous. Nous serons tellement heureux. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voici devant ton trône de grâce, te remettant ton serviteur, notre précieux frère. Il te sert de tout son cœur, il t'aime de tout son âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Vois les devoirs, Père Saint-Dieu, l'amour qu'il a pour toi, et aussi la foi et la joie, Père Saint-Dieu, les larmes qu'il a devant toi, la prière qu'il a pour aussi sa famille tout entière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Combien il fait tout ce qu'il a pouvoir faire pour que toute sa famille entière soit vraiment dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comme Josué a eu à pouvoir le dire, Père Saint-Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voici qu'ils vont partir. Ils vont vraiment nous manquer, Père Saint-Dieu, pendant cette période, moi. Mais il appuie à toi aussi, qu'il puisse aussi avoir du temps, c'est nécessaire. Il te donne beaucoup, Père Saint-Dieu. Il est aussi parfois fatigué, Seigneur. Qu'il prenne aussi, Père Saint-Dieu, du temps pour voir encore la force d'en revenir encore pour te servir encore davantage, mon roi. Que tu bénisses, Père Saint-Dieu, sa femme, Père Saint-Dieu, ses enfants, qui sont aussi les nôtres, Père Saint-Dieu, qui sont aussi notre famille, Père Dieu. Ah, Père Saint, que tu bénisses, Père Saint-Dieu, l'avion dans lequel ils vont prendre, Père Saint-Dieu. Seigneur, que la protection soit accordée dans cet avion à cause de mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Prends le contrôle des boulons, prends le contrôle, Père Saint-Dieu, de l'huile, Père Saint-Dieu, prends le contrôle de chaque pièce. Oh Dieu, que l'avion vole bien, qu'il atterrisse aussi bien, Père Saint-Dieu. Prends le contrôle, Père Saint-Dieu, ce jour là-bas, Père Saint-Dieu, qu'il soit en bénédiction partout où ils passeront, que ton Esprit Saint conduise encore davantage, mon roi. Bénis notre précieux Saint, Père Saint-Dieu, car notre précieux frère Yvon, qui sont partis, Père Saint-Dieu, pour aussi les accueillir là-bas, Père Saint-Dieu, mon Dieu. Merci pour cet amour que tu as pendant leur cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ton peuple. À toi, béni mon Père, oh Dieu, que tu le bénisses, mon roi. Bénis aussi, Père Saint-Dieu, leurs enfants, Père Saint-Dieu, leurs petits-enfants aussi là-bas au Canada, Père Saint-Dieu, pour les sacrifices qui consomment, Père Saint-Dieu, pour aussi offrir leur maison, Père Saint-Dieu, à tes enfants, à toi, Père Saint-Dieu. Leur séjour soit béni, Père Saint-Dieu, et aussi les retours, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, nous rendons gloire à ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À toi la gloire. Oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, à toi la gloire, oh, ressuscité. C'est Jésus.
Je n'ai